C'est mardi, le 22 mars, qu'est déposé le budget d'Ottawa à la Chambre des communes. Comme vous leur envoyez près de 50 milliards de dollars par année, je crois que c'est quelque chose qui vous concerne. Il n'y a rien qui justifie que l'on ferme les yeux sur la gestion de 50% de nos ressources par une nation qui n'est pas la nôtre. C'est pour cette raison que mes collègues et moi avons entrepris une tournée de consultation prébudgétaire qui nous a menés partout à travers le Québec. On a rencontré des acteurs de tous les milieux. Et le fruit de ces discussions a mené à ce que le Bloc québécois demande que les transferts en santé soient indexés à la hauteur de 6 % par année, que les sommes promises en infrastructures soient transmises directement au gouvernement du Québec, parce que la multiplication des décideurs, ça ne fait que créer de la confusion. On revendique également la création d'une caisse autonome de l'assurance-emploi, parce qu'il est temps qu'Ottawa rembourse les 60 milliards de dollars volés aux travailleurs. On exige aussi l'abolition des subventions pétrolières pour mettre en place une véritable stratégie d'innovation parce que c'est là que se trouve l'avenir pour les Québécois, bien plus que dans un pipeline. C'est en se mobilisant pour ses intérêts qu'une nation deviendra un pays. Et c'est pour ça que le budget d'Ottawa, ça nous concerne.